Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un super défi. Donc avec ce deck qui est juste super méta, sûrement je pense le meilleur deck de la méta actuellement. Tombstone qui est hyper fort, sûrement la meilleure carte du jeu maintenant. L'archer magique qui est juste incroyable aussi, les cochons royaux qui sont toujours présents avec le nerf qu'ils ont reçu. Phantom Royal qui est aussi hyper fort. En fait c'est un combo de beaucoup de cartes qui sont vraiment très très présentes à peu près dans tous les decks. Et avec le chasseur qui sort un peu de l'ordinaire. On va dire que le chasseur il est pas mal du tout, mais il peut aussi être remplacé par les fripons. C'est-à-dire si vous êtes un joueur free to play, je vous conseillerais plutôt d'avoir les fripons, c'est pour jouer en ladder. Ou sinon essayez avec le chasseur. Enfin essayez la version que vous préférez. Dites-moi vos retours dans les commentaires. Du coup je suis en 9-2. Donc on va essayer d'aller chercher les 12 victoires, ça va être compliqué. J'ai perdu contre ce deck. C'est à peu près le même deck, sauf que c'était avec le Fuyard Barbare et le Prince qui m'a posé énormément de problèmes. J'avais pas grand chose pour le stopper et j'ai aussi perdu contre quoi? Contre un deck PK. Donc là, c'est plutôt moi qui me suis fail. Ça arrive. J'étais en train de jouer avec les fripons justement. Et j'ai changé après pour le chasseur. Voilà. Du coup, c'est parti. Allez, à de suite. Du coup, on se retrouve contre Jaime ou Jem de Assassin's Creed. Du coup, j'ai. Ok, ici il paraît qu'avec une voleuse je vais devoir défendre avec mes cochons. Il a mis 9 d'élixir, j'ai mis 7 d'élixir. Du coup j'ai un petit avantage en élixir de 2, mais je dois encore défendre le chasseur. Du coup je vais juste mettre une bûche et ça va rétablir l'équilibre. Sauf que normalement je prends un coup, je suis pas sûr. Et je pense prendre un coup de chasseur. Ok, je prends un coup de chasseur. Ok, donc pour temporiser je vais mettre un fantôme dans le fond. Il a la même idée, ça doit aussi être un deck cochon royal. Cochon. Oh, peut-être pas, non. Est-ce que c'est un deck PK? Ok, donc c'est un deck Mega Knight. C'est le deck Mega Knight. Qu'est-ce que j'ai pour défendre le Mega Knight? J'ai absolument rien dans mon cycle. Heureusement pour moi qu'il a pas mis son Mega Knight. Ça aurait été vraiment impossible de défendre. Un Mega Knight? Qu'est-ce que c'est que ce deck? Que de me surprendre. Je dois encore mettre quelque chose pour défendre ça. Je vais mettre mes cochons royaux. Maintenant. Pour pas que le dragon il s'approche trop de ma tour s'il doit changer de focus. Qu'est-ce que c'est que c'est un deck contrôle avec Battle Ram? Si je vais mettre mon fantôme pour défendre. Ou je mets mon chasseur. Non, je vais mettre mon chasseur. J'ai pas envie de prendre trop de dégâts sur la tour. Ça m'aurait descendu la tour à 1800 points de vie si j'aurais mis mon ghost, je pense. Non, c'est 1800. Si je vais mettre mon gosse par contre pour défendre cette voleuse, j'ai mes bats qui sont prêtes. Je pars avec un battle ram. J'ai mon archer magique aussi. Sûrement mettre mon archer magique. Je clique avec des bats sans. Je vais mettre mon archer magique ici pour aller tuer son chasseur. Hop, avec une petite bûche. Et. Je vais mettre mon chasseur ici pour pas qu'il puisse avoir de value sur ma tombstone. Et qu'il en ait un minimum possible. Ok, ici je vais mettre des chauves-souris. J'ai remettre ma pierre tombale en espérant qu'il mette pas une boule de feu. J'aurais mis une boule de feu, j'aurais tout simplement mis ma bûche. Hop, ici je vais splitter 3 cochons vers la droite et 1 vers la gauche. Et il met ça, du coup je vais mettre une bûche. C'est compliqué d'aller gratter. Il joue vraiment super bien, défensivement parlant il est vraiment très bon. Je vais mettre mon chasseur. Je vais mettre mon fantôme pour défendre ça. Et hop. Non! Je voulais mettre mes cochons. Aïe aïe aïe. Non, le fantôme qui met un coup en plus. Le petit muscli qui fait du mal. Pas grave, mon archer l'a connecté. Ça rétablit l'équilibre dans cette game. Je vais mettre mon chasseur fond de map. Je vais mettre un poison ici. Je vais mettre une pierre tombale ici en espérant s'il met une boule de feu. On a le fantôme. Hop, mes cochons, je vais encore mettre 3 vers la droite et 1 vers la gauche. Je vais mettre mon archer magique, j'ai ma bûche qui est prête. Hop, je vais mettre une bûche ici. Je sais pas trop quoi penser de ma bûche. Oh la très 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 bonne boule de feu de sa part. Oh la value de la boule de feu, elle est incroyable. J'ai utilisé sa boule de feu, je sais que je peux mettre ma tombstone sans aucun problème. Et rajoute une bûche. Ah, mon fantôme qui prend cher. Ah, il est quasiment mort.
Si j'ai respité mes cochons, je vais mettre une bûche pré-shot sur sa tombstone. Ok, parfait. En plus, je vais toucher la voleuse. Est-ce que mon chasseur va réussir à connecter? Je ne pense pas. C'est mon chasseur qui connecte. Hop, je vais mettre chauve-souris plus archer magique ici. Et un fantôme pour aller gérer son propre fantôme. Et le fantôme qui est sur la tour, ça m'arrange. J'ai déjà pris des dégâts sur le côté droit, ça rééquilibre. Marché magique qui est full vite. Il avait pas checké sa tombstone. Ok, parfait. Ok, ok, j'ai pris bien l'avantage dans cette game. Oh, les bats. Les bats qui connectent. Ça fait vraiment plaisir. Mon chasseur qui était assez agressif. Pour le coup, c'était une shield vers ça. Pas vraiment d'intérêt. Si, je vais remettre. J'ai peur qu'il mette une boule de feu. Je sais même plus s'il a une boule de feu. Mec. Je sais même plus c'est quoi la liste de son deck exactement. Ok, ici je mets une bûche pour essayer de protéger mon archer magique. Et je l'ai bien protégé. L'archer qui va peut-être connecter. Non, l'archer qui connecte pas malheureusement. Ok, je vais mettre un chasseur. Hop, un archer magique. Il y a beaucoup de troupes sur le board. Je vais remettre mes champs. Je vais sûrement pré-shot la tombstone avec une bûche. Ok, je pré-shot ici. Ok, parfait. Le pré-shot qui était vraiment avec un timing idéal. Un chasseur, un fantôme ici. Et j'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Je vais mettre mes cochons. Encore 3 vers la droite et 1 vers la gauche. Je vais mettre une bûche sur la tombstone. Encore une fois. Hop, il défend bien, il défend bien. Faut que je fasse attention. Faut que j'ai le temps de finir la tour quand même. Je vais mettre un poison ici. Je vais avoir le temps de finir la tour. Tombstone. Hop, j'attends le bandit. Je vais mettre mon archer magique pile devant pour aller finir la tour. Hop, non. Non. Oh non, l'erreur. J'aurais dû cycler plus tôt mes sorts. 16 points de vie. Oh non, 16 points de vie. Je lui ai laissé 16 points de vie très sérieusement. Ah, j'aurais vraiment dû cycler plus tôt. Je sais pas ce qui m'a pris. Bon, c'est pas grave, on part directement pour une autre game. Ok, du coup on se retrouve contre Sergio LM. J'ai la bûche, j'ai chauve-souris, j'ai la tombstone et le chasseur. J'ai juste démarré avec une tombstone tranquillement. Hop, je suis pas pressé. Temporise. Ok, il part avec un fantôme, donc encore un deck fantôme. Il y a vraiment le fantôme, il est omniprésent dans la méta, c'est affolant. Mais mon chasseur. Il part avec un archer magique, je vais juste mettre un petit poison ici. Donc il va faire taf sur l'archer magique. Ok, donc c'est le même deck que moi, sauf que lui il a les fripons à la place du chasseur. Donc on va voir ce que ça va donner, ce petit matchup miroir. Ici je mets mon archer pour aller gratter à tour. Il a modifié quelque chose quand même dans le deck. Et un bon trade de sa part. Hop, il part avec ses cochons. Alors que je mette un chasseur ici. Je vais prendre pas mal de dégâts je pense. Avec le fripon en plus derrière en sneak, je suis obligé de rajouter des chauves-souris. Je sais pas si c'était le bon choix de mettre des chauves-souris. Mais pas trop. Du coup, archer magique, fantôme. Il a l'avantage en exir, je pense qu'il a un bon avantage en exir. C'est la raison pour laquelle j'aurais pas dû mettre mes chauves-souris. Là, s'il m'agresse, j'ai vraiment. Enfin, je vais vraiment avoir du mal à défendre. Et je vais mettre un fantôme royal ici. Et... timing était très bon. Hop, je vais mettre sur marché magique. Mettre fond de map. Changer tout simplement. Pas assez cochon donc j'ai juste. Et hop, des cochons royaux ici, on va les splitter. On va mettre des chauves-souris. Il est parti avec une boule de feu très très mauvaise pour le coup. J'ai pas trop compris sa boule de feu. Peut-être qu'il a pensé que j'allais splitter mes cochons en 2-2 au lieu de faire 3-1. Et si je mets un chasseur. Je vais mettre un fantôme royal pour aller tuer son fantôme royal, encore une fois. Petit poison. Si pour aller tuer cet archer magique. Et je vais mettre mes cochons. Je les ai mis du même côté. Ouais. Pas très très grave vu qu'il a rien dans son scie. Je vais aller tuer l'archer magique, ça c'est parfait. Si je vais mettre mon chasseur pour aller tuer ce PK. Chasseur plus tombstone. Je vais mettre mon fantôme pour aller gérer ça. Et hop, je vais mettre une bûche pour faire reculer PK avant qu'il tape. Je vais rajouter des chauves-souris sur cette lane. C'est parfait. Et je vais contre-attaquer avec mes cochons. Je vais faire
2-2. Et... Alors, je vais mettre un poison ici, en espérant que l'archer va mourir dans le poison. Malheureusement, non. Aïe, assez mauvais poison. Non, c'est bon, je peux tuer l'archer avec ma bûche. Y a pas de souci. Y a besoin, non, y a pas besoin. Et... Je vais mettre ma bûche ici. Je vais essayer d'aller gratter avec mon archer. Ok, j'ai bien gratté ici. Hop, je vais mettre mon chasseur directement sur son archer. Je vais mettre ma bûche, enfin mes chauves-souris ici pour aller gérer ça. Ok. J'ai pas vu, mon archer magique a quasiment fini la tour avec cette connexion. Parfait, du coup je finis à la bûche. Et c'est la première win dans cette vidéo après l'égalité un peu foireuse. Ça fait plaisir. Du coup on est en 10-2. Allez, c'est reparti. Ok, on tombe directement sur green. J'ai poison, bûche, le chasseur et la pierre tombale. Comme sur la game d'avant, j'attends un peu de voir ce qu'il fait, s'il met une pompe ou quoi, je poison. J'ai juste parti avec ma pierre tombale. Ok, je vais mettre une bûche. Il a sûrement un gang de gobelins ici. Il a le gang de gobelins, c'est sûr. Je vais mettre mon chasseur ici. Si j'aurais eu l'archer magique, j'aurais mis mon archer magique pour aller gratter la tour. Et ici, je vais mettre ma pierre tombale pour temporiser. Je sais pas si je joue un cochon ou un mineur avec son mortier. Par du temps, en fait ça peut être les deux. Mais je vois un peu plus de mineurs dans cette méta, peut-être qu'il va me faire mentir. Il avait bien aussi le gang. Ok, ici je vais mettre mon archer magique pour aller gratter la tour. Parfait, connexion. Pas beaucoup gratté mais c'est déjà ça. Ok. Si je vais... Non, je vais juste mettre des chauves-souris dans le fond pour temporiser. Je vais sûrement mettre mes cochons royaux aussi. Et j'ai split mes cochons royaux. Il rajoute un gang ou quoi ou quelque chose. Ok, il met un gang, du coup je vais mettre une belle bûche ici. Et j'ai même touché. J'ai même touché son mortier qui a pris assez cher. Ok, je vais prendre un coup de mortier. Ça me va. Même pas. Ah, j'ai même pas pris le coup de mortier. Alors là c'est vraiment parfait pour le coup. Je vais mettre un archer magique très très agressif pour aller gratter la tour. Et un coup, deux coups. J'ai mis quoi? J'ai mis un coup, deux coups. Faut vraiment que je m'entraîne sur mes placements d'archer magique, j'ai vraiment du mal. Je les foire la plupart du temps. Ok. Attends, il va se... Ok. J'ai toujours pas vu si je jouais mineur ou si je jouais cochon. Mais j'ai un souris qui fait un bon taf ici. Est-ce qu'il a une boule de feu aussi? Je pense qu'il a une boule de feu. Ok, je mets mes cochons royaux. Je vais mettre une petite bûche ici. Est-ce que la bûche va toucher le... Ok, parfait, la bûche qui a touché beaucoup de choses. Et je vais mettre mon fantôme royal. Je vais mettre mon archer magique. Ok, parfait, je l'ai mis à temps. Il a un mineur. Ah, mais je l'avais vu en plus, son mineur, je suis bête. Qu'est-ce que je racontais? Ok, du coup, je vais mettre mes cochons royaux ici, vu qu'il a utilisé sa boule de feu. J'ai ma bûche qui est prête pour son gang. Ok, j'aurais peut-être du pré-shot, c'est pas très très grave. Je touche énormément de choses avec ma bûche. J'ai mes chauves-souris qui vont faire le taf. Ok, j'ai pris quelques dégâts, mais ça va. Je vais mettre mon archer magique pour essayer d'aller gratter à tour encore une fois. Un coup, deux coups. Et il est obligé de rajouter ça. J'ai mon chasseur qui est prêt pour son mortier. Ok, je mets mon chasseur ici. Mes cochons sont également prêts. Il met un poison, du coup je vais mettre... Enfin, il met une horde de gargouille, du coup je mets un poison. Poison assez facile. Ok, il a pas connecté sur la tour encore. Je suis assez chanceux cette game, au niveau des timings. Et ici je mets mes cochons. J'ai un peu split. Pas sa boule de feu, il met juste un gang, c'est très bien joué de sa part. J'ai mis qu'un seul coup de cochon. Je vais mettre mon fantôme royal. Je vais mettre un archer magique ici. Mauvaise archer magique. Hop, j'ai rajouté des chauves-souris. En espérant qu'il ne va pas connecter. Aïe aïe aïe. Chauve-souris connecte pas. Ah, malheureusement il connecte. Ok ok, c'est compliqué cette game. C'est vraiment compliqué. Hop, je vais mettre une bûche ici. Il va peut-être boule de feu. Il va boule de feu, je pense. Non, il met une bûche. Oh, malheureusement il y a un gobelin lance qui a survécu. Si je mets mon fantôme royal. Et ma tombstone pour défendre. Et un poison aussi. Comment bûche par contre. J'ai mon chasseur qui est prêt. Ok, mon chasseur qui a été mis à temps je pense. Parfait, il a mis une boule de feu. Du coup je vais mettre mes cochons royaux et pré-shot. Il peut mettre aussi sa horde de gargouille. Faut que je fasse attention. J'ai mon archer magique qui est prêt. Là où. Si je pense je vais mettre plutôt... Ok, je vais mettre mes cochons royaux et je vais mettre mon archer magique. Je pense qu'il va mettre une horde de gargouille. Et non, il a mis un mortier en défense. C'est très bien joué de sa part. Je vais rajouter une bûche ici.
Un cochon qui connecte. Est-ce que je suis obligé d'aller défendre ça? Oui, je vais mettre un poison. Hop. Je vais mettre mes chauves-souris ici. Et je vais mettre mes cochons royaux que je split. Au cas où s'il met un mortier, au moins ça va aussi aller défendre le mortier. Et cette game qui est tendue de ouf. J'ai une pression sur cette game, c'est incroyable. Et je vais mettre ma tombstone et mon fantôme ici. J'essaye de cycler sur mes cochons. Qu'est-ce que je peux bien faire? Je vais mettre mon chasseur ici pour aller défendre. Je vais mettre une bûche. Mes cochons. Il va peut-être partir en mineur. Oh, mes cochons qui se posent pas! Mes cochons, s'il vous plaît! C'est pas le moment. Ok, je vais mettre une pierre tombale, j'ai bien pré-shot. Hop, je vais mettre un poison ici. Heureusement que j'ai pré-shot le mineur. Fasse attention au rascal. Ok, c'est bon, ça ne passe pas. Je vais mettre mon fantôme royal ici. Comment il va défendre ça? Comment il va défendre mon fantôme? Ok, une bûche et c'est fini. Wouah, cette game, elle était tendue, c'est incroyable. Incroyable. Ok, du coup, 11-2. Est-ce que je vais réussir à aller chercher les 12 victoires? Waouh. Waouh. Du coup, on a joué contre Sergio LM. Ok, un profil assez basique. Et contre Green. Donc Green qui a un profil assez basique. Il a pas mal de cartes par contre en défi. Donc c'est un bon joueur de défi. Clairement un bon joueur de défi. 102 000 cartes, c'est énorme. Il y a 680 000, c'est encore plus. Du coup, c'est reparti. Ok, donc pour cette dernière game, on se retrouve contre un joueur coréen, je dirais. Donc j'ai Poison, Fantôme Royal, Archer Magique et Chasseur. Je vais commencer la game avec un Fantôme Royal. Donc c'est sûrement le deck avec Flying Machine. Cannon Cards, donc va falloir que je. Je sais pas trop comment jouer ce matchup. Je vais mettre mon archer magique dans le fond pour temporiser. J'avoue que je sais pas trop comment jouer ce matchup. Flying Machine, malheureusement il me donne pas de value, c'est pas à part. Je vais mettre mon chasseur pour aller tuer la flying. Pour protéger mon archer au passage. Bien joué de sa part. À 11 victoires, on est sûrement contre des très gros joueurs, donc va falloir que je fasse très attention. Et ici, je vais mettre une bûche pour aller tout toucher. Je vais mettre mon fantôme. Oh, son canon, il était vraiment agressif. Mon archer magique. On va gérer ses barbares. Et j'ai split mes cochons, je vais en mettre 3 vers la gauche et 1 vers la droite, vu que j'ai déjà un archer magique à droite. Va défendre avec un fantôme, ok. Il défend avec des bases de l'autre côté, c'est très bien joué de sa part. J'ai pas beaucoup gratté, peut-être du pré-shot poison, mais j'étais pas sûr qu'il aimait des bases. Et ici, un chasseur, ça devrait suffire. Dépend si le boule de feu ou pas. Va vraiment falloir que je fasse attention à, son canon et à la machine volante. Je vais essayer de gratter un poison. La machine volante, s'il me le donne, ok, il me le donne. Hop, je vais mettre un fantôme ici. Et la machine volante qui va mettre pas mal de dégâts sur la tour, ça c'est vraiment embêtant par contre. Elle est un archer magique assez vite. Ah non, c'est trop tard, du coup très mauvais archer magique. Et je finis la cabane. Ah, ce matchup qui s'annonce tendu quand même. Ça s'annonce tendu. Avec la cabane de barbare qui bloque pas mal de choses. Et ici mes bats qui devraient faire le taf peut-être avant que mon archer meure. Non, mon archer est mort. Aïe aïe aïe, les timings sont pas avec moi sur cette game. Et je vais mettre un poison ici. Je vais mettre un fantôme pour aller gérer ça. Hop, un chasseur pour aller tuer ça. Une bûche. Mes chauves-souris. L'archer magique, c'est bien joué de sa part. Oh, l'archer qui gratte sur la tour, ça c'est pas. Non. Je vais mettre mon fantôme ici. Mon adversaire qui est très bon là pour le coup. Il joue super bien. Non, j'ai loupé la bûche sur le canon. Non! Du coup, ça connecte, je prends énormément de dégâts. Ah, je crois que c'est une défaite à cause de ça. Ok, je mets mes cochons assez agressifs. Ah, malheureusement, je crois que j'ai perdu. Aïe aïe aïe. Ah, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Et je mets mon archer magique, j'essaye toujours de passer, mais je pense que c'est fini. Il a un fuit à barbare. Ok, faut que je cycle sur mon cochon, j'essaye de protéger mon archer avant qu'il mette sa boule de feu. Et je mets mes cochons ici. Ah non, malheureusement le barbare qui va connecter. C'est dommage, dans tous les cas il avait une autre cabane. Donc matchup assez compliqué pour finir. Malheureusement,
J'ai quand même vous uploader la vidéo parce que je pense que c'est intéressant. Le contenu de la vidéo est intéressant. Du coup, j'aurais battu un bon deck PK, un bon deck PK méta que je vous conseille très fortement. Vous l'avez vu sur les matchs IRL, vous savez que ce deck est très fort. Un très très bon deck mortier que j'ai joué précédemment aussi, que je me suis fait en super défi, j'avais fait 11-3 aussi. Et ce deck là, donc un deck encore super méta. Contre, enfin, moi qui étais avec ce deck. Donc, merci à tous d'être passés sur la vidéo, ça fait super plaisir. On va s'ouvrir le coffre assez vite, hop. On va voir si on a une légendaire ou pas. Et on n'a pas de légendaire, donc merci à tous d'être passés sur la vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde.